Coucou les filles. J'espère que vous allez bien. Un nouveau haul Shein. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais le faire. J'ai pas le temps de le faire. En plus, je sais pas si vous voyez mes yeux, mais je suis éclatée. Voilà. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai mis du rouge à lèvres. J'ai pas mis de fond de teint ou autre. Voilà, vous voyez. Voilà. Je suis pas malade, hein. J'ai pas la mort, j'ai pas le coronavirus. Je suis juste fatiguée. C'est pas un gros haul, mais il y a moins de vêtements et il y a aussi des affaires de maison. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je vous ferai part à la fin de ma vidéo de mon jeu concours. Restez bien jusqu'au bout. On va commencer avec ces cintres, du coup. Hop. Donc c'est des cintres en fait pour pouvoir ranger du coup ben, les pantalons. Pas que, du coup on peut mettre des écharpes, les pantalons, des jupes par exemple. Bref, des vêtements qui pliaient restent pas. Enfin, vous voyez, il y a des vêtements, par exemple la matière. Si elle est fluide, le vêtement, quand elle est pliée, il va bouger dans tous les sens dans le placard. Et bref, du coup, ça, c'est top. Voilà. J'ai commandé ça, j'en ai commandé deux. Un pour moi, un pour mon mari. Je vais essayer de mettre nos pantalons chacun. Enfin, on va voir, en fait, je voulais surtout essayer. Mais j'ai trouvé aussi un autre mode de rangement. Je vous montrerai sur une prochaine vidéo. J'ai également cette chose. Donc, je sais pas ce que c'est. En fait, je voulais commander une espèce de... Ah si, je crois savoir. En fait, c'est une espèce de couverture pour faire des photos pour les enfants. Je vais regarder tout de suite. Et en fait, finalement, je pensais que je l'avais pas commandé, mais vu qu'elle est là, bah si. Ouais, c'est ça. Alors... Bon, pour vous, c'est à l'envers, en fait. Donc genre avec ça, on met à quel mois on est, genre on entoure le mois de naissance, enfin où on en est quoi, ou à quel mois le bébé en est, vous avez compris. Hop, voilà. Donc c'est pas mal, hein. Du coup c'est pour faire des photos. Je vous cache pas que pour le premier, hop, je l'ai commandé parce que pour mon premier, j'avais fait des séances photos en fait. Et j'avais le temps de faire des décors moi-même, etc. Bref, je faisais plein de choses. Et j'avoue que pour mon deuxième, je ne l'ai pas fait. Donc du coup, cette petite couverture est pas mal. Mais je m'hydrate 2 minutes. Allez, minuit, hein, mais bon, bref, je bois un café. Il y a un truc chelou dedans. Bref, moi, je ne veux pas des affaires grosses qui prennent la place dans ma maison. Je veux des choses plus minimalistes possible. Du coup, j'ai commandé une mini poubelle. Je vais la mettre dans mon meuble de lave-main, du coup, des toilettes. Je vous montrerai. C'est pour mettre voilà, toutes les protections hygiéniques, etc. Voilà, donc là, j'ai mis hop, la petite poubelle. Et elle rentre bien. En fait, à la base, c'est une poubelle de voiture. Mais du coup, moi, je voulais, comme je vous ai dit, un truc minimaliste. Donc, du coup, ça, ça va faire l'affaire, je pense. Ouais, c'est bon. Ça fait l'affaire. Donc ça, je vais aller, franchement. Trop bien. Du coup, ça se ferme. Hop, je vais le mettre dans mon meuble de lave-main. C'est fermé. Je mettrai un petit sac. Vous voyez les sacs à couches pour enfants? Je vais le mettre dedans. Et du coup, j'aurai juste à fermer le sac sans prendre du coup avec mes mains, évidemment, ce qu'il y a dedans. Et voilà, c'est nickel. Une manique, du coup, ici. Ça, c'est, vous savez c'est pourquoi? En fait ça on en trouve partout en vrai. Mais en vrai quand je suis dehors, je pense pas du tout acheter des trucs comme ça. Genre je me balade pas dans des endroits en fait où il y a du bric-à-brac. Et avec des enfants en bas âge, je me balade pas du tout. Du coup je fais des drives pour les courses, etc. Donc ça franchement c'est le genre de truc auquel je pense jamais. Donc voilà. Et franchement elle est trop belle. Je la kiffe. Voilà. Non, un autre cette fois. En fait, je vais le mettre. Je pense que je suis de mariage, donc je voulais me ciner dans les cheveux.
Il est là. Voilà, donc on va se remettre à l'arrière des cheveux, évidemment. Bref, il est trop beau. En fait, c'est une barrette, une pince-nœud, quoi. En fait, on va voir, je sais pas ce que je vais faire comme coiffure, mais si j'ai la flemme, eh ben, je ferai simplement, j'attacherai comme ça. Et je mettrai la petite, ça là, quoi. Je la mettrai du coup derrière et voilà. On va voir. J'aime trop faire des hauls, vous savez pourquoi? Parce que c'est comme si, en fait, je déballais des cadeaux. Je sais pas si ça vous fait ça, genre quand vous commandez sur internet et que vous recevez le colis, c'est comme si vous allez déballer un cadeau, alors qu'en vrai, c'est pas un cadeau, genre vous l'avez payé. J'ai commandé un simple économe, parce que encore une fois, j'ai pas le temps d'aller dans des endroits où il y a des bric-à-brac. Et mon fils m'a cassé le mien quand on a emménagé. Et franchement, il a l'air hyper bien, son bouclier. Il était bien protégé en plus dans du papier à bulles. Vous voyez ce que je veux dire? Il est grave bien. Franchement, la qualité, elle est top. En fait, moi, j'aime pas les économes. Vous voyez, genre comme des couteaux. Ces petites boucles d'oreilles. Et il y a une raison, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, ces petites boucles d'oreilles. Donc, en vrai, je les ai pris pour... En vrai, je les ai pris, en fait, parce que j'ai un mariage bientôt. Je sais pas si je mets ça ou des autres boucles d'oreilles que j'ai commandé aussi. Par contre, j'ai vu les autres, la qualité, elle a l'air hyper naze. Mais bon, bref. En fait, j'ai commandé ça parce que j'avais demandé à mon mari quand on était parti en Turquie. Enfin, quand elle était... En fait, on était parti en Turquie. Il est reparti, en fait, pardon, pour aller chercher le poids lourd. Parce qu'on a fait apporter les affaires de la maison. Et je lui ai dit, en fait, de regarder une paire de boucles d'oreilles en argent, genre des strass simples. Du coup, le pauvre, il a acheté une parure. En or blanc, il l'a payé je sais pas 400 quelques euros. Je les ai mis une seule fois, donc les boucles d'oreilles. J'ai pas mis la bague je l'ai. Et je vois que j'ai plus une boucle d'oreille, il y en a une qui manque. Sauf qu'elle coûtait hyper cher les boucles d'oreilles. Et du coup, bah, en fait, j'ai pleuré. Et genre pendant, je sais pas, pendant 5-6 mois, à chaque fois que j'allais du coup, enfin dans mon bureau déjà je cherchais. Parce qu'en fait, ce jour-là j'avais une visioconférence, donc du coup j'avais mis un casque. Et je me dis qu'en bougeant le casque, j'ai pas fait tomber la boucle d'oreille. Et je me dis, soit la dame de ménage, peut-être qu'elle l'a vue, est-ce qu'elle l'a pas vue, est-ce qu'elle l'a embarquée, elle l'a jetée à la poubelle, bref, voilà. Et également, j'ai été chercher mon fils à la crèche ce jour-là. Du coup, j'arrêtais pas de regarder dans la pelouse pendant 5-6 mois. Et non, j'ai jamais retrouvé. Donc voilà. Donc, du coup, maintenant, c'est bon, je m'arrête à ça. Du coup, une bonne petite paire, pas chère, ça fait très bien l'affaire. Petit mascara. En vrai, je l'ai essayé. J'ai pas trop un bon avis dessus parce que. Comment dire? En fait, sur le packaging, regardez le packaging. Il est trop beau. Le packaging est trop beau. J'ai grave kiffé hein, le packaging. Bref, quand on regarde, il y a deux brosses. Donc il y a la première ici. Et la deuxième. Ici. Plus fine, genre, voilà. En fait, il a l'air hyper bien, mais je sais pas pourquoi. Le liquide ouais, de mascara est beaucoup trop liquide, en fait. Du coup, ça accroche pas les cils. Et pourtant, moi, j'ai des grands cils. Hein. Donc, le moins de mascara, même un mascara premier prix et tout, ça montre grave mes cils. Hein, je trouve qu'il est pas ouais, en fait. J'ai pas trop accroché, donc il me dépannera si j'ai plus de mon mascara habituel. Mais voilà, à savoir que mon mascara habituel, il coûte vraiment que dalle. Donc pour le coup, je changerai pas, quoi. Ouais. Un peu déçu du mascara. It's a waterproof liner duo. Bref, ça doit être un liner. Je sais pas, la prochaine fois que je fais un haul, à mon avis, je devrais garder un couteau à côté. Enfin. Alors. Enfin, non, en fait. Je coupe au montage parce que j'ai dit des vilains. Ah ouais, mais oh, c'est galère, faut avoir un bac plus 5 pour sortir. Un bac plus 5 à YouTube. Alors, bref, il a l'air hyper beau, donc ça, j'avais pas ouvert, comme vous voyez. Je sais pas trop ce qu'il faut. Hop, alors. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Regardez.
En fait, regardez sa pointe, comment elle est, genre. Voilà, elle focus. Il y a le focus. En fait, en gros, c'est une pointe, genre. Genre, en fait, il fait tout seul le aligner. Et après, il y a la pointe normale, genre comme ça. Vous savez quoi, je vais essayer de faire la pointe qui fait tout seul le eyeliner. On va. Je le fais dans la caméra. Comment je suis. Ah ouais. En fait, c'était comme ça. C'est pas trop ça. Ah, attendez. Je vais aller essayer devant un miroir, mais regardez s'il vous plaît ce que j'ai fait, vous allez comprendre. À quelle heure il n'y a pas la pointe vers l'extérieur? Bon, ben, en vrai, je trouve que c'est pas ouf. Regardez, genre, c'est dégueulasse même. C'est trop pourri. Non, mais tu fais quoi ici? Je crois qu'on t'entend pas. Parle plus fort. Je crois que ce serait tellement plus facile avec ça. Bref, oui. Bon, je vais pas faire tout l'œil puisque bah, je vais dormir en fait. Mais. Franchement, par contre, alors, sur cette pointe-là, rien à dire. Hein. Elle est hyper bien, il est grave net, je trouve. Bref. Donc voilà, donc celui-là qui est censé en fait faciliter. En vrai, c'est pas fou. Genre. C'est pas waouh, je trouve. Bon, j'ai également pris ça. Attendez, je vais l'ouvrir. En fait, ça, j'en ai pris plusieurs. C'est pour. Genre, j'ai un placard de 4 mètres dans mon couloir. Et en fait, dans le. Soit sur le côté du placard, j'ai un petit trou entre le mur et le placard. Soit à l'intérieur du placard, en fait, j'aimerais bien accrocher des balais. Plusieurs balais, une serpillière, bref. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait bien les mettre sur ça. Et pouvoir les cacher à l'intérieur du placard. Parce que mon fils n'arrête pas, en fait, de jouer avec et c'est chiant, en vrai. Je trouve toujours un balai en plein milieu d'une pièce. Je suis toujours en train de tomber parce qu'il y a un balai dans le couloir, par exemple. Et là, du coup, je vais coller ça. Hop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rétréci le balai. Parce qu'il se visse et il se dévisse. Sachant que je l'utilise peu. Donc, voilà. Et je mettrai, du coup, en haut, la pelle et la balayette. J'ai également reçu ça. Ça, en fait, pour vous expliquer, genre, il y en a deux et il faut le mettre à l'intérieur. Moi, je vais mettre à l'intérieur d'une porte de placard cuisine. Et style, on peut mettre une planche à découper. Bon, finalement, je l'ai collé ici. Voilà, quand on est assis, on l'a à portée de main. Je voulais pas quelque chose qui traîne par terre pour mettre le papier WC, donc je trouve que c'est parfait. Ah, j'avais trop hâte de recevoir ça. Ah, j'en ai encore de tous les ça là. J'en ai plusieurs de toute façon. Je dois en prendre 3-4. Yeah! Regardez. Ça a l'air hyper bien. Donc en fait, moi à chaque fois je peux en faire le sopalin. Genre si je suis en cuisine et que genre, je fais un truc gras ou autre, je vais mettre un sopalin dans une assiette. Bah, le sopalin, des fois, il est sur la table à manger, la salle à manger. Donc du coup, là ça permet en fait bah, du coup, d'avoir un sopalin sous la main. Du coup, même en cuisine, sans qu'il traîne sur mon plan de travail. Parce que je voulais pas qu'il traîne sur mon plan de travail en fait. On nettoie la surface. Là, j'ai bien séché. Et voilà le résultat. Également, ce fond de teint, du coup. Bref. J'ai ouvert, du coup, son jumeau avec une teinte un peu plus foncée. Ouais. Je vous mettrai, du coup, je vous mets une photo ici. J'ai utilisé le fond de teint pour faire ce maquillage. Le correcteur. Et voilà, je crois que c'est tout bon. Franchement, très bonne marque. Moi, j'ai une tache de naissance. Là, vous la voyez. Et franchement, le fond de teint, il la cache grave bien. Voilà. Pareil pour mes cernes du moment. Je suis hyper cernée et le fond de teint, il cache hyper bien. J'ai commandé aussi des vêtements, évidemment, mais je vais les ouvrir après. Il y a également ça, du coup. C'est... un kit d'empreintes pour les enfants, du coup pour les bébés, donc c'est pour mon fils. En fait, pour mon premier, je l'ai fait, du coup pour mon premier, je l'ai fait. Et je l'ai mis dans un cadre personnalisé Ikea, donc je vais vous mettre la photo ici.
Donc du coup, et j'aimerais bien le faire pour mon deuxième. Donc voilà. J'ai estimé en fait que si je l'avais fait pour l'un, je devais faire pour l'autre. Tout simplement. Ensuite, j'ai reçu ceci. Peut-être vous ne voyez pas, mais ah, voilà. Genre, en fait, c'était des boîtes pour les trajets, les bonbons, etc. Du coup, j'en avais commandé, même si j'ai eu des visites déjà pour mon fils, puisque les gens sont venus hyper tôt. Mais voilà, il reste pas mal de personnes qui vont venir, des gens moins proches, donc du coup, bah, j'aurai des souvenirs. Et sinon, je suis en train même de me poser la question si finalement, je ne recommande pas plus, en fait, et que je ne les garde pas pour son baptême, enfin, sa circoncision, du coup. Pour le coup, voilà. Sachant que pour le premier, on n'a pas fait de fête pour la circoncision, on l'a fait en Turquie, en fait. Mais j'ai grave regretté, ça s'est trop mal passé. Et il est resté à plus de 10 heures et tout. Bref, c'était nul en fait. En plus, on a payé beaucoup plus cher que ce qu'on aurait payé en France. Ça valait grave pas le coup en fait. On n'a même pas fait une petite fête. Donc finalement, on aurait pu le faire en France. Donc voilà, je pense que ça, finalement, je vais l'utiliser. On va voir. Je vais peut-être faire un petit événement à la maison. Je sais pas pour celles qui ont les cheveux vraiment épais. Mais surtout, mais genre, vous voyez, il y a les élastiques en fait. Ils sont tenus par un petit truc métallique. Et à chaque fois qu'on s'attache les cheveux, bah, en fait, ils pètent. Ça sert à rien. J'ai acheté ceux-là. Hop, ceux-là. Et moi, bah, ça risque pas de péter parce que du coup, voilà, on peut tirer à fond. Il n'y a pas de truc métallique. Je sais pas, il y en a combien dedans. Il y en a. Je sais plus. Pas mal. Donc voilà. En plus, ils sont dans leurs petites boîtes, donc je vais les laisser dedans. Ça va éviter que ça prenne. J'ai ce correcteur du coup. En fait, je l'ai utilisé du coup le correcteur, hein, comme je vous disais. J'ai fait ce maquillage là avec le fond de teint et le correcteur. Donc franchement, il est top de chez top. Ouais, j'ai des autres trucs comme ça là. Donc ça, c'est pour attacher les balais là, comme j'avais dit. C'est boucles d'oreilles. En vrai, ça a grave cheap. Regardez, genre ça, c'est complètement à plat. Je sais pas si c'est fait exprès en fait, parce que l'autre, il est pareil. Avec mes cernes, mort de rire. Elles sont jolies, hein. J'ai également ça. En fait, si je me trompe pas, c'était un truc de contouring. Oh, je vous jure, j'ai une maladie. Regardez comment je double, s'il vous plaît. Regardez. Oh, c'est grave léger, pas. Elle est trop belle. Le packaging, il est juste hyper beau. Vraiment. Regardez. Je vais à la main, mais moi je l'ai appliqué n'importe comment à la main. En tout cas, il a l'air hyper beau. Et en plus de ça, l'odeur, elle est wow. J'ose pas trop en mettre parce qu'en fait, j'ai pas de miroir devant moi. Genre, c'est un retour caméra. Franchement, c'est grave. Voilà. Sachant que j'ai pas mis de fond de teint, j'ai pas de correcteur et tout. Donc voilà. J'ai également pris un raccourci. Voilà. Donc je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà en fait et il est trop bien. Après, à force, vous voyez, des fois on les casse à force d'appuyer trop fort ou d'utiliser très souvent les cils hyper longs. Genre, c'est magique. Vraiment. Enfin, en tout cas, pour moi, ça les rend hyper, hyper longs. Je termine donc avec cette tenue. On va l'essayer. Et je vais essayer avec ça. Je sais pas si l'ensemble, enfin si ça ira ensemble. J'ai pas pris pour les porter ensemble, hein, en vrai. Mais par contre. Hein? Ouais. Je vous jure. Je vous jure vraiment. Le pantalon, il a un truc. Genre, il pue le poisson. Attendez, j'ai appelé mon mari pour qu'il vous dise ce qu'il en pense. J'attends qu'il arrive, franchement. Par exemple. Mais c'est quoi ce truc d'odeur dégueulasse, là? Putain, c'est son sac. Ça sent pas le poisson? Ça sent pourri. Ça sent le poisson pourri.
Surtout moi qui ai envie dans ma tête que moi j'ai besoin de spanner. Bah, c'est bon, du coup, j'ai pas besoin de mettre de spanner. En vrai, ça pue pas. Si, c'est dégueulasse, l'odeur. Ça pue, hein. Oh, il pue le poisson. Genre, ils l'ont. Regarde, regarde. Ils ont pêché ou quoi? Regarde, je t'ai jamais pris le poisson. Oh, j'ai bien le poisson, mais là, il est limite, hein. Je vais pas porter du poisson. Le 50 fois, je vais le laver 50 fois, je vais l'essayer là, mais je vais me laver aussi 50 fois. Il pue, je vous jure qu'il pue. Il pue vraiment le poisson. Bref, on va quand même l'essayer, hein, du coup, mais moi je vais puer le poisson après. Voilà, déjà j'ai essayé le haut. Voilà, donc Tito le camionneur est toujours là. En fait, ça se voit pas, mais genre je suis serrée un peu. Là, ça fait... Voilà quoi. En gros. Bref, et je vais essayer du coup ce fameux pantalon. C'est dommage qu'il est grave beau. Vous voyez en fait la matière? C'est genre un espèce de simili-cuir. Changer de haut. Je fais cette vidéo après. J'ai plus de batterie sur mon téléphone, donc j'ai pris le téléphone de mon mari pour la faire. Regardez. Voilà. Regardez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle touche à sa fin. Je voulais vous faire part de mon concours, du coup, pour gagner un Tineco Fleur One S5. Donc, c'est le nouveau. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez participer, c'est très simple. Il suffit de s'abonner et de commenter. Donc, arrivé à 2000 abonnés, je ferai un tirage au sort. Commentez un mot, une phrase, pardon, où il y a le mot biche dedans. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous fais des gros bisous. À très, très bientôt. Ciao.